Thank you.
the first letter of John, chapter 1, from verse 1 to verse 17 of the second chapter. Let's listen together. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and touched with our hands, concerning the word of life. The life was made manifest, and we saw it, and testified to it, and proclaimed to you the eternal life, which was with the Father, and was made manifest to us. That which we have seen and heard, we proclaim also to you, so that you may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. And we are writing this that our joy may be complete. This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie and do not live according to the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. My little children, I am writing this to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he is the expiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And by this we may be sure that we know him if we keep his commandment. He who says, "I know him," but disobeys his commandment is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him, truly love for God is perfect. By this, we may be sure that we are in him. He who says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Beloved, I am writing you no new commandment, but an old commandment which you had from the beginning. The old commandment is the word which you have heard. Yet I am writing you a new commandment, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. He who says he is in the light
and hates his brother is in the darkness still. He who loves his brother abides in the light, and in it there is no cause for stumbling. But he who hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for his sake. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, children, because you know the Father. I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passes away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. That was the word we heard from the first John and second till verse 17. May the everlasting God bless his words. Amen. Amen. Notre foi doit être enracinée sur la vérité.
Parce que ce n'est pas par la justice. Ce n'est pas par la justice. Mais c'est par la grâce. Nous devons reconnaître celui-là qui nous a accordé cette grâce. Et savoir ce que signifie cette grâce. Et reconnaître que ce n'est pas notre savoir-faire. Mais plutôt c'est ce que l'Éternel Dieu nous a fait. Le don. On dit qu'on t'a donné. Et celui qui a la quête de celui qui veut être acheté. Mais on dit cela est un don, un don ce qu'on veut acheter. Tu dois recevoir cela comme un don avant de l'avoir. Mais si toi tu vois que c'est quelque chose qu'on veut acheter à qui tu ne peux plus l'avoir. Qu'appelle ton marché avec le Seigneur.
nous. It's not fair enough that Dieu ne nous vole après. Et on remplace le plein par une moitié devant Dieu. Alors, ressemble à celle de Corée de Dathan, d'Ananias, de Savira ou de Judas,
cela, moi, je ne peux pas te rassurer. Car ceux-là que nous venons de citer ont suivi Jésus, mais par leur comportement, ils ont été exterminés. De toute iniquité.
Et qu'est-ce qui va encore te conduire à la perte? Et de quel péché as-tu peur encore? Mais là, Jésus a dit, Jésus il a dit, pour le coup, n'a pas pensé. Il va avoir des mains. Allons! Quand nous le dit, quand nous le dit, nous le dit, nous qui concerne tous ceux
ceux là qui sont dans le monde entier, s'ils croient en son nom, ils seront sauvés. Et toi, que ce soit le voleur, celui qui commet de l'adultère, l'idolâtre, celui qui boit, celui qui se livre à l'ivraie. Tous les criminels de ce monde, l'œuvre que Jésus-Christ a accompli, les conseils, s'ils croient en cela, ils seront tous sauvés. Qu'il ne soit plus à poser les actes des ténèbres. Qu'il ne fasse point usage de la haine pour commettre de la méchanceté dans le monde. En ce moment, ils seront sauvés. Quel que soit le pécheur qui vient vers Jésus et qui s'embarque dans la barque du salut, de la repentance, sera sauvé. Le troisième verset dit, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Mais le nom, celui qui dit, je l'ai connu. La vérité n'est point en lui. Et celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en Jésus-Christ. Quels sont ses commandements? Nous allons les lire bientôt. Celui qui dit qu'il vit en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même quand il est venu sur terre. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau. C'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. C'est ce qui est vrai en lui et en nous. Car si vous voulez que les ténèbres se dissipent déjà. Et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, il a de la haine de son, du prochain. Qui est donc le prochain? Tous ceux-là que Dieu a créés à son image. Qu'ils soient de race noire ou de blanc. Que nous ayons le même langage, nous parlons la même langue ou non. C'est celui qu'on appelle frère, le prochain. Qu'il soit simplement mort, c'est fini. Mais celui qui dit qu'il est dans la lumière de Christ et qui a de la haine pour son frère, qui est donc ton frère? C'est ton voisin que tu n'acceptes pas. C'est l'enfant de ta coépouse qui ne peut pas vivre en paix avec toi. C'est cet enfant avec qui tu te disputes, tu
Celui qui dit qu'il marche dans la lumière. Et à de la reine pour son prochain. Maintenant, celui-là, mais quel est son état? Oui, mais non. La Bible déclare que de tels hommes sont encore dans les ténèbres. Mais non, qui est celui-là qui vit encore dans les ténèbres? Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui
Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous. C'est Jésus-Christ qui est monté au ciel. Jésus-Christ est mort pour nous. Et c'est Jésus-Christ qui a promis et qui a donné le signe. Quand son avènement se rapproche, nous allons voir beaucoup de choses. Et nous voyons ces choses maintenant. Quelqu'un Dieu a pu parler et les choses s'accomplissent ici. C'est Dieu qui est tout en tout. Il a le pouvoir de sauver l'homme sur la terre. Si seulement cet homme peut se confier à lui et reçoit ses instructions, il commence par les appliquer, celui-là sera sauvé. Que tous les pécheurs se rapprochent de Jésus. Il n'y a pas à faire de est-ce que je serai sauvé. Si tu reçois sa parole, tu seras sauvé. Père, je vous ai écrit parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. Je vous ai écrit parce que vous avez vécu. Si tu reçois le nom de Jésus, Et les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime ce monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et ces choses ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là demeure éternellement. Il demeurera éternellement. La convoitise. Vous avez appris que la terre nous dit Corée d'attendre. Pourquoi? C'est à cause de la convoitise. C'est à cause de la convoitise qu'ils ont été engloutis de cette chose. Tout ce qu'on peut appeler envie démesurée de ce monde. Recherchons ce que Dieu veut. La Bible déclare, ils vont vivre éternellement. Si tu veux vivre éternellement, relis cette parole. Relis chaque fois cette parole jusqu'à la mémoriser et les mettre en pratique. Et tu dois savoir que tu es désormais avec Jésus-Christ dans la journée. Parce que Jésus-Christ l'a déjà montré sur la croix. Entre lui et les deux voleurs. L'autre se moquait de lui. Mais l'un dit à l'autre, mais toi tu n'as pas la peine. Nous méritons le sort que nous subissons parce que nous avons mais celui-ci, c'est l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, il n'a rien fait de grâce. Jésus. Viens-toi de moi dans ton royaume. Et depuis leur fils n'a pas ouvert la bouche. Il dit, aujourd'hui, je suis avec toi. Tu es avec moi dans le paradis. Il peut pardonner. Quand il pardonne à quelqu'un, celui-là, la rémission de ses péchés. Si tu offenses un homme, tu vas le supplier, dis qu'il n'est pas prêt à te pardonner. Et soumets-toi, fais face désormais à Jésus. Et dis à Jésus, refuse de me pardonner, mais pardonne-moi. Pour que cela ne m'empêche pas d'avoir ton royaume. Je laisse supplier, mais ne veux pas supplier. Mais toi, Dieu, écris, sauve-moi. Et qui a cru? Et qui a cru?
soit honorable. C'est pour cela que Christ a déjà payé tout cela. Et que soit honorable pour nous. Puisqu'il a payé ses péchés pour nous. Mais lui, c'est un des humains. Croyons en cela. Revenons sous la lumière. Cessons de marcher dans les ténèbres. Nous reconnaissons désormais ce qu'on appelle ténèbres. La haine de ce prochain, c'est les ténèbres. Faire du mauvais chose en cachette, c'est des ténèbres. Jésus-Christ venira chacun de nous.